Bonjour à tous et bienvenue sur Two Point Hospital. Alors je pensais que Fluttering ici l'hôpital était un niveau 2, mais non, elle n'a toujours qu'une étoile. Donc on va pas aller sur l'autre hôpital qui est disponible ici, la Tumble. On va continuer là pour la mener à la deuxième étoile. On y va. Alors, voyons voir. Voilà, donc notre hôpital, ouais, il marque ici hôpital 2 étoiles, mais en réalité non. On aura la deuxième étoile si on finit ces quêtes-là. Donc former 6 membres du personnel et donner une promotion. D'accord. On est à niveau 9. Ok. Alors, je vois qu'il y a toujours autant d'attentes. Oh là, ça va finalement. Il y en a 5 qui attendent. 6 là, 6 là. Les généralistes, ils sont bien débordés. 7 ici. Et 6 chez le psychiatre. Eh ben, au niveau du personnel, qui en a comme psychiatre, lui, il est pas mal du tout. Psychiatrie 2, lui, c'est surtout traitement, et un peu psychiatrie. Là, on a un psychiatre. Il serait peut-être bien de l'amener à un niveau supérieur par la formation. J'en ai qu'un. Il faudrait que j'en forme deux. Eux là peut. Lui peut être amené en psychiatrie 2. Lui aussi. Il faudrait que j'en forme. Il faut 6. J'ai 199 000. Bon, on va lancer une formation. Alors, on va se mettre en psychiatrie 2. Il y en a 3 qui peuvent être formés. Ouais. Alors, on a donc celui-là, et on va en former deux. Ça fait deux docteurs. Lui, on va le former, et on prend un formateur extérieur. Waouh. Ok, ça va coûter un peu, mais c'est bon. Ok, c'est parti. Alors peut-être qu'il va falloir rembaucher un médecin supplémentaire, je sais pas, on va voir qui on a à disposition. Lui est un peu psychiatre, il a 27 000. Ah oh, lui, il est bon, lui. Il est bon en diagnostic, médecine générale 2. Ah, je vais le prendre. Ouais, alors je sais pas où on va le mettre, voilà, on va le mettre par là. Allez vous former les gars. Ah, une urgence. C'est quoi? Les quatre cales, un quartier de chanteurs local, ont totalement perdu la raison. Ah, zut. Guérissez quatre patients souffrant de débloque star en psychiatrie. On va dire oui. Alors, ils arrivent déjà. J'ai bien envie de construire... Tiens, il y a encore un truc là. Un truc par terre. Mais je sais pas ce que c'est, j'ai beau cliquer dessus. Ça me dit rien, à mon avis, c'est une cochonnerie, en plus ça bouge. Ah, ça y est. J'ai vu. Alors on va ralentir. Il y avait un viseur. Ah ben j'arrive plus à l'avoir. J'arrive pas à l'avoir. Se remet à vitesse normale, en pause, et je pense que là on va faire un psychiatre supplémentaire ici, parce que là on a nos urgences qui arrivent, et je n'aurai pas assez, ouais, ouais, on va faire comme ça, on met la porte là. Voilà, on va faire comme ça, après je pousserai certainement la plante. Bon, on n'a pas beaucoup de place, alors on va faire comme ça. Fenêtre, oui, bien sûr. Une là et même une là. On est à niveau 1. Alors, je vais même rajouter une fenêtre par là. Il nous faut quoi? Un classeur pour les dossiers. Une poubelle, bien sûr. Dans le coin, là, très bien.
Instincteur Nord, fontaine à boire, ouais, pourquoi pas. Ils peuvent être amenés à avoir soif. Voilà. À force de parler, une bibliothèque réduit la nuit. Alors, c'est peut-être pas une bibliothèque, mais plutôt... Ah, je l'ai pas débloqué. Bibliothèque et les traitements, 200K. Paravan, 50K. Tiens, on va le débloquer, ça. Et on va le rajouter. Quelque part par là, je pense. Voilà, comme ça. On verra pas le patient en train de se faire soigner. Il est à niveau 2. Une petite lampe, 75K. Ouais. Ici, voilà, très bien. On arrive au niveau 3. Une horloge, quelque part, par là. J'ai pas mis de fenêtre de ce côté, là-bas. Oui, on va en mettre une. Le diplôme du Toubi. Voilà, on est à niveau 3. Je pense qu'on va rajouter encore des bricoles. Hein. On a de l'espace. Voilà. Ajouter quoi? Des plantes, bien sûr. Là, il y a la porte, d'accord. Là, on peut pas la mettre. Tiens donc. On la met ici. Bibliothèque. Là, je vais mettre une fenêtre. C'est un peu trop juste. Je vais rajouter une fenêtre. Ah, c'est là ou là. On la met ici et on va décaler un petit peu la pendule. Voilà. On est à niveau 3. Ouais, c'est pas mal. Hop, on valide. J'enlève la pause et on remet un banc ou deux. Voilà, on va mettre deux bancs. Ok, cette plante-là, je vais la pousser. La mettre là. Alors, il me dit qu'il manque un psychiatre. Docteur qualifié en psychiatrie. Justement, c'est con parce que je les ai envoyés en formation. Bon, je vais prendre celui-là. Voilà. Peut-être pas très fort en psychiatrie, mais ça permettra peut-être de recevoir les urgences. Bon, le fantôme est là. L'agent d'entretien s'en occupe. Pas de promotion en vue pour l'instant. Ça y est, je l'ai eu. J'ai eu la bébête. Alors oui, il y en a déjà 7 qui attendent. Et là, il y en a 2. Bon, ça devrait aller. Ils sont où les urgences? Là, je ne les vois pas. Ah, ils sont là, ils arrivent, les déblocs stars là. Allez, il faut qu'ils soient traités. En priorité. Peut-être qu'on va pouvoir ajouter un banc encore par là. Ouais. Allez, soignez les patients là. 8 qui attendent, c'est fou la psychiatrie, le monde de cas. Les jeunes deviennent fous, je vous le dis. Moi. Alors. Là, ils ont de quoi boire, manger. Là, ça fait un petit couloir. Notre bébête, là. Ah, je l'ai reloupé. C'est ça, là, ce qu'il me disait. Ouais, je l'ai eu. Il y en a une autre là-bas. Allez, il faut qu'il soigne le quatuor. La bébête, elle est partie par là. Je peux pas upgrader la machine là, non. La réparation. Et là, c'est toujours le déshumorificateur à niveau 1. Je ne peux pas non plus l'upgrader. Bon, apparemment, chez les généralistes, ça se passe plutôt bien. Oh, lui, il est pas bien. Il est atteint de la maladie du monosourcil. Voilà, les urgences qui sont par là.
J'espère qu'ils vont les prendre en priorité. Là, je n'en vois pas sur les divans. C'est un peu dommage. Allez, dépêchez-vous, là. Dépêchez-vous de les traiter. Ah, ah, ah. Alors, on découvre une nouvelle maladie, le débloque Star. Ouais, ben, je suis en train d'essayer de les traiter. Promotion du personnel, oui, bien sûr. Voilà, plus que 3. Ah, ça y est, ils ont été formés, les psys. Il va où? Il va en pause et il va se chercher à boire, ouais. Ok, donc là, il y en a 2 qui ont été formés. Alors, on va essayer de voir parmi le personnel les attributions de poste. Parce que là, ça fait un peu n'importe quoi. Il y en a 2 en psychiatrie 2, psychiatrie 1, psychiatrie 2. Alors lui, il va faire que de la psychiatrie. Alors lui, c'est vraiment sa spécialité. Empathie et psychiatrie. Ah, j'ai 2 salles de psychiatrie. Et lui, il est psychiatrie 2. Alors toi, t'es bon en traitement, mais tant pis, on va te mettre en psychiatrie. Là, j'ai quoi? Labo de marmiton, les ampoules, la psychiatrie et le bureau de généraliste. D'accord. Toi, tu vas faire du généraliste, bien entendu. T'es bon à peine bon en traitement. Toi, tu ne vas faire que de la médecine générale. Hein, t'es bon que pour ça. Médecine générale. Là, il y a un troisième qui est bon en psychiatrie, là. On va lui dire de pas faire de médecine générale. Et on va l'autoriser pour... j'hésite. On va laisser sur ces deux-là. On va les laisser comme ça, les autres. C'est surtout la psychiatrie, c'est pas la peine que ce qui ne soit pas bon. Toi, tu vas pas faire de psychiatrie. Toi non plus. Toi oui, toi oui. Donc j'ai 2. Niveau 2. Bon, toi, tu vas pas en faire. T'as la qualification, mais il vaut mieux que tu te concentres sur les traitements. On va laisser la médecine générale parce que j'ai 5. 5 salles, il peut te passer le médecin, 2, 4, 6, 8 aussi, j'en ai plein. Toi, tu vas faire du traitement surtout. C'est pas mal, toi tu fais que de la psychiatrie. Voilà, voilà, alors des psychiatres, j'en ai 1, 2, 3 qui ne font que ça. L'autre 4, lui il est bon aussi là. Et toi, tu fais tout, d'accord. Bon, ben, je pense qu'on va laisser comme ça. Ouais. Toi, il faudra essayer de te trouver une formation où tu sois un peu efficace quelque part, parce qu'à part la psychiatrie niveau 0, t'es pas doué. Le généraliste. Il faut que je fasse une formation généraliste pour au moins 2 toubi. Ouais. Alors, toi, on va te mettre là. Parce que je vais en envoyer 2 informations. Là, il y en a qui sont pas mal. Mais il faut qu'on augmente un petit peu le taux de réussite. Ok. C'est parti. Alors, ils vont se changer de salle, se relayer. Qu'est-ce qu'il fout là, le marchand de casserole? Ah non, je vous dis qu'il traite les urgences d'abord. C'est pas une... Les urgences ne seront pas traitées là. On est au 56e jour et ils en ont traité 0. Hop, je vois une bébête là. Elle est partie d'un couloir, elle revient. Ça y est, je l'ai eu. Ok. Alors, ça y est, vous avez trouvé vos salles qui vont bien. Au niveau de l'attrait de l'hôpital, je sais pas trop. Ouais, c'est pas top, là. On va remettre... Il a une file d'attente à cardiologie. Ah bon? On va mettre un téléphone dans le coin, là.
Ouais, ça augmente par après ça. Mais on va remettre une plante. Quelque part. Ah ben il y en a qui l'utilisent déjà. Ici. Une plante. Il en faudrait en mettre une par là supplémentaire, quelque part dans le coin là. Voilà, pour agrémenter un petit peu le passage. Là-bas, c'est pas top, mais il n'y a pas grand monde qui y va. Ici, c'est presque bien. Cette patiente qui attend au niveau du psychiatre. Alors, il disait qu'il y a une file d'attente en cardiologie. 8 personnes qui attendent en cardiologie, c'est fou ça. Pourquoi il y a 8 patients qui attendent en cardiologie? Qu'est-ce que je pourrais rajouter dans cette salle pour la monter un peu plus? Moniteur mural, je l'ai mis, oui. J'ai mis la toile de jus de fromage. Tiens donc, ils n'ont pas de poubelle. Si, ils en avaient une là-bas. Si, ils en avaient une. On la pire. Ah, vendre les éléments non valides. Ah, c'est une toile. Alors, on va dire oui. Je pense que c'est la toile qui va vendre là. Non, c'est bon. Ouais, c'était un truc de l'autre côté là. D'accord, faut juste que je remette. Ah, mort. Que je remette un poster d'anatomie ici à la porte. Voilà. Guérison 2. Hop, défi du personnel. Donner une promotion à 3 membres du personnel. Oui, mais pas le problème. Tiens, regarde. Un, voilà, un déjà. Beaucoup d'attentes un peu de partout, mais les psys sont débordés. Ça y est, commence à soigner. Une urgence ici, une urgence là. On en a guéri 2, ça fera 4, je pense. Ouais, lui a été guéri. Allez, un mort de plus. Bon, on va avoir... Il y a du monde là. Il y a vachement de monde. La clinique ici, super luxe. Ah. Alors. On a eu un tas de prix. Bon, choix des patients, hôpital le plus prestigieux, employeur de l'année, étoile montante, infirmier de l'année, médecin de l'année. Très bien. Ah, encore une urgence. On a guéri 4 sur 4. Très bien. C'était le groupe entier de patients qui souffraient de déblock star. Très bien, merci. Alors, il faut encore former 4 personnes. Je pense qu'on va former des généralistes. Diagnostic 3, je peux en former. Gestion des pharmacies. J'ai qu'une pharmacie, c'est vrai. Motivation, médecine générale 2, il y en a 2 de formés. Ah, j'ai bien envie de passer. Il y en a 5 qui sont formés en traitement 2. Waouh. Ah, par contre, gestion des salles communes, il n'y en a aucun de formé. Hein. Et je pourrais en former 2. Qui sont ces gens que je pourrais former? Ah, lui. Lui, autant le spécialiser dans le diagnostic maximum. Et lui, c'est le pharmacien. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le pharmacien, ben justement, il faudrait peut-être en former 2. Parce que je n'ai qu'une pharmacie. Ah, je peux en former qu'un. Ah tiens, employé disponible 1. Former 3. Ah, je peux pas les former davantage. D'accord. Diagnostic 2. Je pense que ça peut être pas mal, le diagnostic 2. Qui on va pouvoir former... Ouais. Ces deux-là. Et on va prendre... un extérieur, un formateur extérieur, voilà. Alors du coup, j'ai 2 to-be là. Qui s'en vont. J'espère que ça va pas être trop le bordel. Combien on a?
d'assistant. I'm not inside your head. I'm just inside your radio. That's where the music on en a trois. Music ok. Like this. Je fais trois agendas maintenant, c'est ce que je voulais dire. Ok. Alors, il y a deux toupies qui sont partis en formation. J'espère que... Là, il y a quelqu'un. Là, il y a quelqu'un. Là, il y a quelqu'un. Un, deux, trois. J'ai que trois, quatre. Ah, et là, il y a... Il y a personne là, si. Non, il n'y a pas le Toubi. Team Avocato. Il va arriver, je pense. Je sais pas où il est parti, le Toubi. Ah, voilà, il arrive. C'est lui. Ok. Donc, il y en a deux qui sont partis en formation. On va les laisser. C'est un diagnostic. On en est où, là? 4 sur 6 pour la promotion. Là, je suis en train d'en former 2. Il en manquera plus que 2 à former. Ça, c'est le formateur, je pense. Voilà. Les psys sont peut-être fatigués un peu, non? Non, ça va. On va peut-être remettre quelque part par là pour augmenter l'attrait. On est à niveau 10. Le nombre patient attendent devant les salles gérées par des docteurs, mais aucun d'entre eux n'est disponible. Comment ça? Là, d'accord, il y en a 7. Là, il n'y a personne. Si, la toupie est là. Peut-être qu'il va falloir embaucher un personnel supplémentaire pour chasser les fantômes. Ah, on a une visite, je pense, un journaliste, oui. Ouais, le fantôme, là, il fait ses cochonneries tout seul dans son coin ici. Je vois pas d'agents de maintenance qui vont s'en occuper. Promotion du personnel, bien sûr. Voilà, il n'y a plus qu'un à promouvoir. Les agents de maintenance, à mon avis, je vais... Voilà, la journaliste arrive. Je vais embaucher un agent de maintenance supplémentaire, un bon là. Voilà, celui-là. Hop, et on va d'ailleurs le mettre directement là. Ok. Et là, je vois une bébête. Hop, je l'ai eu. C'était ça les... Je sais plus comment ça s'appelait là, dans l'épisode d'avant. Les bébêtes qu'il fallait chasser. Bon, il y a des clowns. Il y a des... Des gens un peu de partout. Lui, il cherche les toilettes. Eh bien, peut-être que les toilettes, on va pouvoir en refaire par là. Je pense que oui. On va refaire une salle de toilettes. Ici, là. Voilà, et on va les mettre dans ce sens. 1, 2, 3, 4. Waouh. Des lavabos, on va mettre. Voilà, plutôt par là, effectivement. Alors, il y a 4 toilettes. 1, on va peut-être pas mettre. 2, 3. Des sèches-chemins, ouais. Training course completed. Je vais pas pouvoir en mettre beaucoup. Sèches-chemins, on va mettre par là. Une poubelle dans le coin, ça va. Bon, là, on va avoir les toilettes correctes. Instincteur, fonte lavoir, plante. C'est vrai que ça manquerait. Hein. Je peux pas la mettre à cause de la poubelle. Je peux pas mettre de plante. Et là, il y a la porte qui va me gêner, ouais. Alors, c'est pas trop grave, on va la mettre devant. Voilà. Ok. Alors, pas de promotion supplémentaire encore. Voilà, on a des toilettes ici ouvertes. On va mettre dans le coin ici des distributeurs. Un distributeur de soda. Un distributeur d'Anka. Est-ce qu'il va rentrer dans le coin là? Ouais. Ok. Une poubelle juste ici.
Et on pourrait presque mettre un bain. Deux. Ouais. Alors là, il y a la porte. Peut-être des bains comme ça, vu qu'il y en a en face, là, un vis-à-vis. Voilà. Là, c'est presque bien. On va rajouter un présentoir à brochure par là. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On va remettre. Là, les murs sont occupés. On va remettre un présentoir à brochure ici. Et une plante, ça se répète bien. Pourquoi pas, si on peut la caser, une horloge quelque part par là. Ouais. Voilà. Ils ont de quoi se restaurer, boire un coup. Deux plantes, non? Où sont les plantes? Là. Voilà, ça permet vraiment d'agrémenter le truc. Alors, c'était quoi ça? Une file d'attente à le bureau du généraliste. Ouais, ouais, ouais. La formation est terminée. Donc c'est très bien, on a formé 4 personnes et il nous manque une promotion. Mise à jour de la réputation. Elle a parlé d'un hôpital, la journaliste incroyable, un exemple pour le futur. Ok, parfait. Bon, on est bon, on a pas mal d'argent. Il manque une promotion à faire et former encore 2 personnes. Bon, c'est bien. On va renvoyer en formation... Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? Promotion, ben voilà. Voilà, on a 6. Il n'y a plus que 2 personnes à former. Pour pouvoir... passer au niveau suivant. Formation à la clientèle, motivation, traitement 2. Former 5. Gestion des salles communes, employé 2, former 0. Ça serait peut-être bien de former 2 personnes ici, là. Ah, c'est le pharmacien, ça m'embête. Et là, je n'aurai qu'un à former. Non, 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 non. Plutôt médecin généraliste. Qui j'aurai ici? Ah, c'est les psychiatres, ensuite, ça m'ennuie, ça. Non, non, les psys, il faut qu'ils restent... Qui reste psy, les autres n'ont pas encore d'emplacement de formation. Diagnostic, j'ai qu'un employé que je peux former. Peut-être en mécanique, si je pouvais former, pourquoi... Ah, il n'y en a qu'un, il m'en faut au moins 2. Maintenance, bon, il me faut 2 personnes. Le service de la clientèle, ouais, c'est les 2 que j'ai là. Empathie. Augmente le bonheur des patients lors des interactions. Pourquoi pas, on peut essayer, tiens, je ne l'ai jamais fait ça. Les 2 psychiatres, ben ça se répète bien que les 2 psys... Si j'envoie les 2 psys, ça ne va pas le faire. Alors, eux, ils n'ont aucune empathie, donc on va... Et on va mettre un psychiatre. Ouais, on va faire comme ça. Allez, c'est bon, c'est moins cher que les autres, moins cher que les autres formations, donc ça va. Ok. Oh là là, les files d'attente. Allez, vous formez les gens. Hop. Et justement, il y a une urgence qui arrive. Bravo, vous avez satisfait la requête de Urlag Barbeau. C'était de donner une promotion à 3 membres du personnel. Très bien. Crise de marmitette urgente. Combien il y en a? 7 patients. On va dire oui. J'ai qu'un labo de marmitette. Et je sais pas où est le Toubi, docteur nécessaire. Et il y a Cooper Courgette qui arrive. Courgette. Bon, ben. J'espère qu'on va pouvoir traiter les 7 patients. Ça m'étonnerait un peu. Allez, on a presque terminé le défi là. Il n'y a plus que ces 2 membres du personnel à soigner. Il manque le formateur. Il arrive.
formation sur l'empathie. Allez, ça va faire plaisir aux gens que vous croiserez. Alors, les urgences marmitettes sont là. Bravo. Et donc, il y a des balles là-bas, oui. Il y a ce qu'il faut. Le psy, c'est toujours à fond. Après, il va pas s'asseoir à côté là. Ah, promotion, oui, bien sûr, voilà. Bon, il y en a au moins un de soigné. Il y a 6 personnes qui attendent, ouais, dont les urgences. Donc ça va. Que les urgences passent en premier, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi ils vont pas s'asseoir ici? Il y a du monde, c'est la file d'attente devant les généralistes. Ouais, je vois bien, ouais. Mais pour l'instant, on peut... à part d'en créer d'autres, un peu. Qu'est-ce qu'il veut, lui? 90 jours sans décès, on va essayer, j'y crois pas trop, mais bon. Ah, encore une demande de formation. Il peut passer infirmier senior. Pas encore. On va attendre que cette formation soit terminée. On passe donc au... On aura notre deuxième étoile. Voilà, on va accélérer un petit peu. Ok. On a guéri 3 patients sur les 7. La formation est pratiquement terminée. Ça y est, voilà, la formation est terminée. On a 2 étoiles dans notre hôpital. On a du coup le déshumorificateur 2 et le fatigotron 2. Alors ça, c'est vraiment bien. Je reviens à la vitesse normale. Ah. Là, c'est bon, c'est en cours. 90 jours sans décès. Ok, je voudrais juste... Ah ouais, mais on a pas mal de clowns, là. Je peux pas faire de... Ah, zut, il y a un décès qui arrive, là. Il va mourir. Bon, tant pis. Ça, on l'a loupé. Ça m'étonne pas trop, vu le monde qu'il y a. Formation terminée. Empathie, ben c'est parfait. Est-ce qu'on va réussir le défi de soigner les marmitettes? On en a guéri 4. C'est Parasorol 2, il faudrait presque le réparer, envoyer un agent de maintenance. Bon alors, ils sont où les urgences là? Pourquoi ils n'y vont pas? Lui, il est en 2. Et l'autre, il est en combien là? Son collègue? 3. C'est vrai, c'est pas une urgence qui vient là. Voilà. Ouf, comme il s'est fait balancer le gars là. Lui, il est en 1. C'est lui là, ouais. Ok. Oh, la machine a cassé. Zut. On pourrait pas dire vite, vite, venez la réparer. On risque de louper le défi. On est au 60e jour quasiment là. Et ça y est, il va la réparer. Vite, vite, vite. Oh là là. Elle est mal en point. J'aurais peut-être dû faire une deuxième salle comme ça. Pourquoi il ne s'assoit pas sur les bains ici? Ça y est, elle est réparée? Presque. Oh, les urgences sont où là? Durée 51 jours. Appelé dans la salle. Très bien. Voilà. Encore une urgence. Ici. Ah. On va y arriver. Un mort. Voilà. Et le suivant, c'est lui. Alors peut-être qu'on va arriver à finir le défi. Voilà. Ah, il va mourir. Oh zut, échec. Allez, c'est à toi mon gars. Dépêche-toi d'y aller. Il est appelé dans la salle, lui, ouais. Je sais pas si on va pouvoir arriver à le faire. Un mort. Ah, c'est dommage. Bon, ben, je pense qu'on a 5 guérisons, un échec. Et voilà le dernier qui est en train de se faire soigner. Il reste plus beaucoup de temps.
Oh là, vu comme il est secoué, il n'était pas bien accroché par les pieds. Oh là là. Ok. Donc, on a guéri 6 des 7 patients. Bon, ben c'est très bien. Parfait. Voilà, donc on a amené notre hôpital au niveau 2. On pourrait améliorer le déshumorificateur et le fatigotron, là. Et eh bien, je pense qu'on va se le garder pour le prochain épisode et qui sera dans un prochain hôpital dans les contrées froides de Two Point Hospital, Two Point County. Voilà, sur ce, les amis, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre quatrième hôpital. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.